quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Nina, sérieusement, je dois y aller, d'accord? Bonne soirée à tout le monde, bon appétit. Attendez, Bruno, vous n'emportez pas un bout de gâteau. Non, merci, c'est gentil, ma tante. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir, à bientôt. Salut, salut mon grand Yael. Bon anniversaire, Nina. Moi. Nina, bon anniversaire. Excusez-moi. Bruno, Bruno, ne pars pas. Papouche, je peux te demander un seul cadeau d'anniversaire, c'est tout. Je voudrais que Bruno revienne vivre ici. Nina, même si tu viens d'avoir 18 ans, tu es toujours une... Nina, écoute-moi. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Bruno, c'est mon anniversaire et je peux demander ce que je veux. Je sais bien, mais c'est bon. On s'est vu, je suis là, on était ensemble pour ton anniversaire et c'est suffisant, d'accord? Eliana, on y va. Non, papouche, je te demande rien de matériel. Moi, je veux seulement que Bruno revienne à la maison. Allez, s'il te plaît. Nina... C'est Bruno qui l'a décidé, pas moi. Ça veut dire que si Bruno il souhaite revenir, il peut revenir? Après, tu rouspètes quand je t'appelle ma petite. Tu te comportes comme une enfant gâtée qui fait une crise si on ne lui donne pas ce qu'elle demande. Nina, s'il te plaît, ça suffit. Bruno, tu me manques. Toi aussi, tu me manques, ok? Mais la situation est ce qu'elle est. N'empire pas les choses. Bonsoir tout le monde, salut. On y va. À bientôt, bonne soirée. Bonsoir. Hé, hey Bruno! Alors? Pourquoi tu pars si rapidement? Tu n'as même pas goûté le gâteau. Écoute, Yael, je ne suis pas d'humeur pour tes réflexions, ok? Tu peux m'ouvrir le portail? Pourquoi tu te fâches? C'était juste une question. Pardon, Yael. S'il te plaît, peux-tu m'ouvrir le portail? Eh ben, je suis contente qu'on s'en aille. Merci bien, l'ambiance était horrible. Bruno, tu as dû faire quelque chose de grave pour que ton oncle soit si fâché. Et Bianca, c'est encore pire, hein. Cette femme t'assassinait les yeux. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu leur as fait? C'est avec moi que tu vas avoir des problèmes si tu la fermes pas, Eliana, s'il te plaît, c'est bon. Mais quel caractère? Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils soient si fâchés? Je leur ai dit la vérité. Quelle vérité? Ça va, arrête un peu ton interrogatoire. On peut y aller, s'il te plaît? Monsieur Bruno, monsieur Bruno! Non, mon Bruno, mon Bruno! Partir sans nous dire au revoir. Tu crois qu'il n'y a que les enfants qui sont tristes parce que tu n'es plus là? Reste, Bruno! Allez, Bruno. Bruno! Mais bon, c'est qu'on est un peu pressé, il faut qu'on y aille, désolé. Non, ne t'en va pas! Allez! Je veux encore du gâteau! Attends, ça arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti, Bruno? Teresa, ne sois pas insolente, s'il te plaît. Bah, c'est que j'ai pas pu lui dire au revoir. Madame Bianca, vous ne connaissez pas encore Paula, l'amie de Nina du lycée. Ah. Enchantée, madame. Enchantée. Bienvenue, tu es très jolie et très élégante. Merci beaucoup. Elle est toujours jolie et élégante. Alors vous deux, racontez-nous. Comment s'est passé ce voyage de noces? Comment c'était le Mexique? Toujours aussi beau? Oh, magnifique. Le Mexique est une vraie merveille, comme dans mes souvenirs. On a dû rentrer un peu plus tôt à cause de Nina pour lui faire la surprise. Ah, et ça a été une grande surprise. On ne s'y attendait pas. On dirait bien que la surprise n'a pas beaucoup plu à Nina. Ah. Ah non, si, si, bien sûr que ça m'a plu, papa. Je suis contente que tu sois ici.
Allô? Oui, elle est ici? Qui la demande? Un instant. Le seul problème, c'est le trafic qui est impressionnant. On mettait des heures à aller d'un endroit à l'autre. Excusez-moi, Madame Francisca, on vous appelle. Qui est-ce? Il n'a pas voulu dire son nom, il a juste dit que c'était privé et qu'il avait besoin de vous parler. Et tu vas répondre sans savoir qui c'est? Eh bien, si on m'appelle jusqu'ici, c'est peut-être une urgence. Allô? Madame Francisca, je ne vous dérange pas? Mais qui est-ce? Guillermo Arredondo. Comment osez-vous m'appeler dans cette maison après l'humiliation que vous nous avez fait subir? Eh bien, si j'ose vous appeler, c'est parce que j'ai besoin de parler avec vous. Et c'est urgent. Mais sincèrement, je n'ai rien à vous dire, moi, monsieur. Alors, excusez-moi, je vais raccrocher. S'il vous plaît, ne faites pas comme votre frère. Et au moins, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous n'êtes pas curieuse de savoir pourquoi je veux vous parler, Madame Francisca? Bon, parlez ou je raccroche. Que voulez-vous? Non, pas par téléphone, non. Je vous invite à prendre un café dans mon bureau. Nous pourrons y parler en privé, d'accord? Quoi que vous ayez à dire, dites-le maintenant. Arrêtez votre petit jeu. C'est au sujet de Flavia Santillana. Ça va vous intéresser. Très bien, mais pas dans votre bureau. J'ai pris une chambre à l'Hôtel Royal. Bon, c'est entendu. Dans le hall de l'hôtel demain matin. Ah, monsieur Ariel, c'est si gentil. Vous pensez toujours à nous, ça fait plaisir. Salomon, ce rasoir coupe tous les types de poils, hein? Si vous voulez, je vous le prête pour que vous vous coupiez les poils des oreilles, hein? Toi, avec la tignasse que tu te payes, tu devrais l'essayer sur toi. Et encore une fois, la seule qui ne soit pas contente, c'est Nina. Cette fille n'est jamais satisfaite de rien. Ah, Camilla, bien apparemment, tu as hérité de la langue de ta mère, pas vrai? Oui, mais une chose est sûre, c'est que la petite Nina est très fâchée contre Madame Bianca. Bah bien sûr, puisque c'est la faute de Madame Bianca si notre Bruno a quitté la maison. Oh, Jésus-Marie-Joseph, j'ai oublié de monter l'eau à la chambre des patrons, j'y vais tout de suite. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas et tu en oublies ton travail. Écoute, assieds-toi, c'est bien trop tard, hein? Parce que c'est plus le moment d'aller déranger les patrons maintenant, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu fais la tête? Non, c'est rien. Comment ce portrait est-il arrivé ici? Je sais pas. À toi de me le dire. Certainement les employés ou bien ta fille. Bah, chérie, ne te fâche pas. Nina se comporte de cette façon pour me manifester son désaccord. Parce que Bruno est parti. C'est sa façon de nous faire comprendre qu'elle est vexée. Non, mais je ne suis pas...